Salut, c'est Baboun. Donc on se retrouve très vite, comme je vous ai dit, pour ces colis-là. Donc ici, nous avons, dans l'ordre où ils sont arrivés en fait, un colis de Patrice RC44. Ok. Celui-ci, j'ai le droit de l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir. Il y a deux choses dedans. Il m'a dit, il y a une chose pour moi et une chose pour les abos. Donc on va... Je vous foutrai peut-être votre truc et puis je vous ferai voir ce que j'ai pour moi. Je sais pas encore. J'ai bien aimé le truc du foutage. Il y en a plein qui se sont crus sur Canal+, je sais plus si c'était samedi soir ou dimanche soir. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça a rappelé quelques souvenirs. Donc je vais voir. Ça, alors ça, je n'ai pas le droit d'ouvrir. Ça, c'est Monsieur Navbess, donc qui est l'auteur de ce générique. Et donc, il m'a envoyé ce colis. Donc, je lui ai envoyé un petit message en lui demandant ce que je devais en faire, si c'était pour le garage, si c'était pour vous. Il m'a dit, ça, c'est pour le calendrier de l'Avent, au moment du calendrier de l'Avent, et c'est pour un de mes abos. Donc, ce sera quelque chose à gagner. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être de la lessive, j'en sais rien. Mais j'ai pas le droit d'ouvrir. Donc, celui-ci, hop, c'est pour vous. J'ai trouvé ça super sympa. Et ça, c'est mes amis de Suisse, donc Jackpot du Lac et Nonor, copain des bois, qui m'ont envoyé, je l'ai reçu tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de leur envoyer un petit mot. Je vais pas l'ouvrir, parce que c'est un petit emballage de Noël, donc je sais pas si faut que je l'ouvre maintenant, ou s'il faut que je l'ouvre au moment du calendrier de l'Avent. Donc pour l'instant, je vais le laisser de côté, je vais les contacter, et puis on verra ce que j'ai le droit d'en faire. J'aime bien ce que vous me dites ce que je dois faire de vos colis. Je trouve ça sympa. Vous me voyez un truc et vous me dites, ah bah faut faire comme ci, il faut faire comme ça. J'aime bien. Donc là, il faut que je l'ouvre. Ah, il m'a pas dit il faut que j'ouvre. Il m'a dit tu peux l'ouvrir, mais il y a un truc pour toi et un truc pour tes abonnés. Alors, on va voir ce que c'est. C'est pas dit que vous allez le voir. Hein. Alors, Pat, qu'est-ce que tu nous as envoyé? Qu'est-ce que tu nous as envoyé? Ah, c'est là que ça s'ouvre. Hop. Hop. Et ça doit être dehors. Par ici. Ouais. Ouais, enfin plus ou moins. Hein. Moi aussi j'étais bon. Alors, voyons voir. Il y a dedans. Ah bah voilà, un petit mot. Ça, c'est bon retour. Ça, alors, c'est pas encore. Bonjour Pascal, c'est Patrice. C'est avec plaisir que je participe à la tombola de Noël pour mettre le feu, MDR. Tu comprendras en ouvrant la boîte. Dans le colis, tu trouveras deux outils, un pour toi, un pour la tombola. Je trouve cet outil indispensable pour notre loisir. Merci à toi pour cette magnifique tombola dont j'ai gagné l'année dernière. Ah bah oui, tu avais gagné le super gros 4x4. C'est sympa, toi. En plus, tu m'avais envoyé les vidéos. C'est vrai, c'est exact. Ah bah la voiture avec le van en plus, c'est marqué en dessous. Merci à toi Babou Noël. Ho ho ho. Sympa. Donc il y a deux choses. Alors, qu'est-ce que c'est comme outil indispensable? Voyons voir. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, qu'est-ce que je fais? Allez, je vous fais voir, parce que je pense que c'est les deux mêmes boîtes. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes, ouais. Allez, j'ai compris ton jeu de mots pour mettre le feu. Donc voilà, c'est des petits allume-feu,
C'est ouais, des petits chalumeaux là. Alors attends, t'as une sécurité, je suppose, qui est. Ah, ça doit être ça. Hop. Non, c'est pas ça. Oh, si, ça doit être ça. Ah non, en arrière. Bon, je m'y prends bien. Hein. Mais oui, c'est ça. Sauf qu'il faut aller à l'appuyer un petit peu plus. Un petit peu plus fort. Donc, tu as une petite sécurité ici. Pour les enfants, mais on est des grands enfants. Hein. Donc, il faut vraiment enfoncer jusqu'au fond. Et voilà, un petit chalumeau. Et c'est vrai que ça. Et tu as vu la flamme, comment elle est fine? C'est génial, ça. C'est génial. Parce que ça, ouais, quand tu as des vis qui sont coincées à chauffer, ou du frein filet avec la finesse de la flamme, et ben tu peux très bien viser une vis, une tête de vis sans problème. C'est une super idée, Patrice. C'est génial. Donc celui-ci, il est pour moi. Et il y en a un pour vous. D'accord? Ça, je vais me le mettre avec mon fer là-bas, direct. Non. D'ailleurs, je vais le laisser avec ce fer-là. Hop là. Ok? Torchlight Blue. Fire tank, une pièce. Donc c'est la même chose. Vérifier. Et là, tu règles la flamme. Ah ouais. Je vous ai fait voir. Tu as l'allumage ici et tu as un réglage. Hop là. Tu as un réglage de la flamme là. Donc. Hop, tu appuies, tu as la flamme et tu peux régler ta flamme ici. C'est génial. Alors effectivement, très utile, très très utile. Donc ça, du coup, je vais faire une petite hop. Alors Patrice, pour que sache, je vais te mettre là. Donc je ferai un petit colis. Hop. Donc Patrice vous offre ça. Je me mets ça là pour m'en rappeler. Parce qu'avec ma petite tête, hein, je vais pas m'en rappeler. Eh bien, écoute, Patrice, c'est super. C'est génial. Je te remercie. C'est super sympa. Comme ça, tout le monde est content. J'en ai un, vous en avez un. OK? Et puis, bah, évidemment, Navbess, je te remercie aussi. C'est super sympa de ta part. Nonor et Jackpot, je vous fais des gros bisous. De toute façon, je vous enverrai un petit message demain pour vous prévenir que j'ai reçu le colis. Je vais vous l'envoyer maintenant. Il va être pas loin de minuit, là. Et puis, pour savoir ce que je dois en faire. Et puis, ben, ce sera tout pour ce soir. Et ce sera tout pour ce soir. OK? Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Tchuss!